Il s'agit d'insérer le film, ce qui est un peu laborieux parce qu'il y a la lentille qui est toute proche, puis autant que possible, il ne faut pas que je les touche. Et puis en principe, toute la suite va être dans la bonne position. Alors au début de chaque bande, il est convenu de faire sur le cadre 0 un X, un carré qui définit le cadre avec un X qui permet de faire un repérage qui éventuellement va servir de guide pour les traitements en Photoshop. Tout est bien connecté à l'ordinateur dans DragonFrame et je vais image par image, comme ça. On prend une image. Je bouge encore. Alors, le mécanisme de la Moviola est un mécanisme comme le mécanisme d'un projecteur, c'est-à-dire que c'est des mouvements interrompus. Le film avance et s'immobilise toujours au même endroit, toujours en registre, de sorte que ça permet que les captures qu'on fait sont fiables et toujours exactement au même endroit, et ainsi de suite. Alors, comme le moteur de la Moviola a été enlevé, il faut avancer par le volant ici, ce qui n'est pas idéal quand on a, disons, 1000 cadres à faire, mais quand même, c'est la seule façon de procéder avec cette installation artisanale.